Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer la meilleure sauce combo aux fruits de mer. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder cette vidéo avec moi et je vous dis, vous allez adorer. Il y a tout, il y a du poisson, il y a des crabes, il y a des crevettes, il y a vraiment de tout. Alors commençons. Pour commencer ma recette, bien sûr, je vais avoir besoin de gombo ou bien okro ou okra. Alors, la façon traditionnelle de les couper, c'est de les faire à la main, de les couper vraiment petits. Mais moi, je ne fais pas ça. Alors, je les écoute et je coupe la tête et ensuite, je les coupe en deux et je les mets dans mon blender. Et vous pouvez voir le blender qui se trouve à ma droite là-bas. C'est celui avec les grosses lames. Et donc, voilà. Je les mets comme ça et puis je les mets à tourner pendant quelques secondes. J'utilise la fonction Pulse. Et donc, vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Et je n'ai rajouté aucune eau. Donc, ça me fait gagner du temps que de les faire à la main parce que je suis souvent pressée. Mais bon, le résultat est le même. Donc, une fois que j'ai mis le gombo dans ma casserole, je vais y mettre de l'eau. Alors ici, j'ai à peu près 950 à 1 kg de gombo parce que je fais une grosse casserole. Okay, et je rajoute de l'eau. Alors l'eau, j'ai mis à peu près 3 tasses. Et une tasse, c'est 125 ml. Alors on va mettre ça à chauffer et on va continuer à remuer. Et une fois que l'on voit qu'il y a des bulles, comme vous pouvez le voir ici, eh ben, c'est le meilleur moment d'ajouter votre bicarbonate de soude que vous voyez ici, qu'on appelle chez nous en Angleterre baking soda. Donc il faut rajouter juste un tout petit peu, donc un quart de cuillère, juste un tout petit peu. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Et ensuite, mélanger vigoureusement. Alors pourquoi mettons du bicarbonate de soude? Tout simplement parce qu'on veut que notre gombo soit bien gluant. Donc voilà, c'est la seule raison. Et bon, ce n'est pas obligatoire. Alors continuez à mélanger vigoureusement et laissez cuire encore quelques minutes. Il ne faut pas trop cuire, sinon votre gombo sera gâté. Et donc voilà, là il est prêt, c'est cette consistance qu'on veut. Alors éteignez le feu et mettez votre gombo à côté, on en aura besoin après. Alors maintenant pour la sauce. Alors je vais y mettre de l'huile de palme et j'utilise toujours l'huile de palme Zomi parce que je trouve que c'est celle qui sent le mieux. Ça a une bonne odeur, j'adore, mais bon, n'est pas obligé. Et ensuite je vais mettre du poisson fermenté que chez nous au Ghana on appelle momone ou bien stinky fish, poisson puant. Je pense que dans les autres pays africains vous devez aussi en avoir. Et donc voilà, mettez, mélangez, laissez frire pendant à peu près 3 à 4 minutes. Ok, et donc voilà. Et ensuite, on va y mettre des oignons. Alors j'ai à peu près 2 oignons et demi moyens que je vais faire sauter jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. N'oubliez pas de mélanger. Vous pouvez aussi utiliser des échalotes ou bien plus d'oignons ou moins d'oignons. C'est vraiment comme vous le sentez. Et en attendant, eh bien, je vais mettre au blender du gingembre, de l'ail, des échalotes et du piment que je vais rajouter avec à peu près une demi-tasse d'eau. Voilà. Et ensuite, je vais mettre dans ma casserole. Ensuite, je vais mélanger. Et je vais laisser cuire cela à feu moyen pendant à peu près 7 à 8 minutes. Ensuite, je vais ajouter des tomates fraîches. Et ici, j'en ai à peu près 2 moyennes. Parfois, je ne mets pas de tomates dans ma sauce gombo, mais cette fois-ci, j'en ai mis. Mais donc, c'est pas obligatoire. Et ensuite, on va mélanger et on va laisser cuire ça pendant à peu près 7 à 8 minutes aussi à feu moyen. Et n'oubliez pas d'y mettre le couvercle, bien entendu. Alors les amis, je suis de retour. Ça commence à prendre forme, ça sent super bon. Je vais juste mélanger un petit coup pour être sûr que ça ne brûle pas au fond de la casserole.
Et ensuite, cette étape est optionnelle, mais elle est très très importante. Je vais y mettre de la poudre de crevettes, de la poudre de crevettes séchées. Ensuite, je vais mettre de l'assaisonnement écrevisse. Ensuite, je vais mettre du paprika en poudre. Ensuite, je vais y mettre un peu d'assaisonnement Maggi ou Maggi. Et voilà pour les épices. Je vais maintenant bien mélanger cela. Voilà. Et laisser cuire pendant à peu près 2 minutes. Alors maintenant, je vais y ajouter mes crevettes et mon calamar ou calmar. Vous pouvez aussi mettre du poulpe si vous le préférez. Ensuite, on va mélanger et on va rajouter nos autres fruits de mer restants. Donc cette sauce, elle est vraiment versatile. Vous mettez ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser du crabe. Alors c'est le crabe bleu nageur, le blue swimming crab, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de crabe ou bien même du homard ou bien vous pouvez même rajouter des gambas. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous mettez le poisson ou les fruits de mer que vous préférez. Et voilà, maintenant je vais mélanger, mais il faut mélanger délicatement, ok, à cause du crabe et des crevettes qu'on a déjà mis dans notre sauce. Ok les amis, donc voilà. Et je vous dis, si j'avais des moules et des coquillages, je les aurais mis aussi parce que j'adore ça avec mes sauces gombo, mais cette fois-ci j'en avais pas. Donc si vous aimez ça, mettez-y. Et maintenant, on va terminer par le poisson. Alors, ce poisson, ici, on appelle ça le cockfish. En français, je ne sais pas si c'est un nom spécial. Mais bon, vous avez vu à quoi il ressemble. Donc, si vous allez chez votre poissonnier, vous aurez une petite idée. Mais bon, vous pouvez aussi mettre du poisson rouge, la dorade rouge, la dorade noire, le tilapia surtout. On adore le gombo avec le poisson tilapia. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez, même du poisson chat si vous aimez. Alors, une fois qu'on a mis notre poisson, il faudra rajouter un peu d'eau pour que ça puisse cuire. Alors, j'ai à peu près 400 à 500 ml d'eau. Et ensuite, on va mélanger. Et bien entendu, comme au début, il faut mélanger cela vraiment délicatement. Alors maintenant, encore plus délicatement qu'avant, parce que là, on a vraiment des morceaux de poisson frais. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quelques morceaux qui sont vraiment énormes. Mon poissonnier s'est dit, cette fois-ci, je vais te donner des vraiment gros morceaux. Comme ça, tu vas galérer quand tu vas les mettre dans ta casserole. Donc, voilà. Donc, mélangez bien délicatement. Et ensuite, remettez le couvercle, laissez mijoter jusqu'à ce que le poisson soit bien cuit. Alors, je suis de retour, les amis. Regardons le résultat. Super, c'est parfait, c'est vraiment ce que je recherchais. Vous pouvez voir que le poisson a bien cuit. Il est bien juteux. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de sel. Et encore, juste un tout petit peu d'assaisonnement pour tout plat Knorr. Voilà, si vous aimez ça, vous rajoutez. Et du Maggi. Mais bon, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'en remettre une couche. Mais moi, j'aime bien ça. Voilà pour l'assaisonnement. Et maintenant, on va remélanger. Et vous savez ce que je veux dire. Faites ça délicatement. Maintenant, le poisson, il est cuit, donc il est encore plus fragile qu'au début. Donc voilà, prenez votre temps et mélangez votre sauce. On est à la moitié de la recette. On va laisser cuire encore quelques minutes après avoir mélangé. Et ensuite, on va y ajouter notre gombo. Voilà, voici le gombo qu'on a préparé au début. Voilà, c'est le meilleur moment de l'ajouter dans notre casserole, les amis. Voilà.
Et ensuite, mélangez bien délicatement de façon à ne pas abîmer votre poisson et le reste de vos fruits de mer. Alors les amis, ensuite je laissais cuire cela pendant à peu près 10 minutes à feu moyen. Et voici à quoi ressemble ma sauce gumbo aux fruits de mer maintenant. Ce n'est pas encore prêt. On va encore laisser cela mijoter encore quelques minutes à feu doux, complètement doux. Et voilà, le résultat est prêt. Quand vous voyez que l'huile de palme se met au-dessus comme ça, c'est que c'est prêt. Et ne vous inquiétez pas pour l'huile. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez la jeter ou bien la mettre dans un conteneur et la réutiliser plus tard. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, regardez-moi cette sauce, elle est magnifique. Vous allez manger avec quoi? Nous, on mange cela avec du banku, qui est de la pâte de maïs fermenté qu'on a cuit, avec de la pâte de manioc fermenté aussi. Et donc, cela ensemble avec de l'eau chaude et du sel, on appelle ça du banku. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays si vous n'êtes pas du Ghana, mais bon, ça marche avec tout. Donc voilà les amis, c'était ma recette. Elle est excellente. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Vous allez adorer, vous n'allez pas regretter. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre votre petite sonnette comme ça, vous ne raterez aucune recette. Merci beaucoup, partagez et je vous retrouve très bientôt. Au revoir les amis.